Salut les amis, on est arrivé à Phnom Penh, restaurant cambodgien pour les best Phnom Penh noodle in Montreal. Let's go! Suggérer à part de ça. Sinon, il y a le numéro 5 qui est très populaire, c'est le mix entre nouilles jaunes et nouilles blanches. Je pense que je vais prendre ça après. Regardez les amis. Ça, c'est les bons de bœuf, si je ne me trompe pas. Wow, beautiful, beautiful. Ok. Here you go. Voilà le Phnom Penh noodle avec la soupe à côté. Ouais, c'est tout chaud à côté. Tout est chaud. C'est les meilleurs à Montréal, ah. Les amis. Je recommande. Okay. Ah, ça travaille fort ici aussi. Pas chaud. Pas chaud, hein. Ouais, au Canada, il faut travailler fort. Ok, on va essayer ça, les amis. Ah, je vais essayer le bouillon en premier. Right. Le bouillon est clair. Fresh. Refreshing. On va essayer les nouilles secs en premier. Regardez. Ça. Oh. C'est les nouilles jaunes et blancs avec des fish balls. Des morceaux de viande de bœuf. Assaisonné avec plein de veggies, avec oignons frits. Intéressant. On va mélanger ça un peu. Right. Enfin, premier boucher. Un gros boucher. L'oignon frit donne beaucoup de crunchiness. C'est un bon moment. Et on mélange ça avec la soupe. Délicieux. Ça rafraîchit quand il fait... Enfin non. Le bouillon sec rafraîchit quand il fait chaud. Mais le bouillon, ça désaltère. Très très bon. On va goûter la viande maintenant. Tendre. Tendre et frais. Fish ball. Oui, on va tremper ça dans le bouillon. Ça. Ça fait du bien. Ouais. C'est legit, les amis. Je recommande Phnom Penh Restaurant Montréal, Côte de Neige. On va mettre un peu de lime. Ça. On va mettre dans la viande. Ouais. On va mettre. Ici? Ouais. Damn. Ça, on t'a bien aussi. Alright. Alright, les amis. On va enjoy ça encore. On va mélanger la viande. De faire germer, ça rafraîchit. On met ça dans le bouillon. Mais c'est sûr, le highlight c'est la viande parce que la viande est vraiment tendre et on ne peut pas avoir ça partout dans toutes les restaurants. Comment tu trouves? Super bon. Super bon. 10/10. 10/10. Waouh!
Ok. Je recommande de mettre l'adresse dans la description, guys. Peace out.